Frères et sœurs dans le Seigneur, membres de la parole de Dieu, bonjour. Zami kap tande nou sou kelke swa platform ki egziste. Maten an mwen salye nou nan nou Jezu. Nou di bon Dieu merci paske li permet nou domi, nou reveye. E ankon jodi an ki se dernye jou nan premye mwa nan ane ya. Nou di tout glose pou bon Dieu. Oui, nou gen rezon paske gen pil moun ki te komanse ane ya men ki pa wè dernye jou lan. Men nou menm si ke nou wè dernye jou sa, si yon grâce, frères et sœurs. Matin, c'est toujours comme d'habitude, le son nou qui rive la kayou de très tôt pour nous capable étudier ensemble. C'est sixième leçon qui titré Jésus le sacrificateur fidèle. Je veux pécheur sauvé par grâce. Exaltez Jésus en ce jour. De son sang dire l'efficace. Chantez son ineffable amour. Sur la croix, Christ a porté le poids de mes iniquités. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. Le prince de paix passe encore en cet instant pour me bénir et dans mon âme à lui l'aurore. D'un beau jour qui ne peut finir, sur la croix, Christ a porté le poids de mes iniquités. À lui, je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. Verset de mémoire, nous nous trouvons dans Hébreux 7, verset 26. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Notre Seigneur, notre Dieu, et notre foi encore, nous bénissons, nous exaltons, parce qu'au bon dans la vie, nous, on prend soin de nous. Maintenant, nous allons étudier parole. De grâce, t'as demandé ou assistance esprit ou. Nous reconnaître que nous pas connaître rien, mais nous sommes certains qu'il va aider nous à comprendre parole ça yo et surtout à tirer bienfait et à pratiquer l'essentiel dans la vie non. Reste avec nous, bénis-nous, bénis-moi, ça nous va le passer à bénir toute fraction nous yo, toutes amis nous yo, qu'ap étudier ensemble avec nous matin. Dans nom Jésus nous prions. Amen. Frères et sœurs, jeudi, c'est lundi, qui titré selon l'ordre de Melchisedec. Eh bien, qui est-ce Melchisedec Téye? Eh bien, Melchisedec, lui, c'était un roi. C'était roi Salem. Non seulement c'était un roi, mais aussi c'était un sacrificateur. Donc, Melchisedec, lui, c'était un rôle très, très important. Et nous, ouais, lorsque nous lisons dans Genèse, nous voyons comment Abraham, l'été remettre dîme à Melchisedec et comment Melchisedec était béni. Ça veut c'est-à-dire que Melchisedec c'était un monde qui était en pile importance. C'était un monde de valeur parce que pas oublier toute bénédiction que bon Dieu bail à travers Abraham. Et bien si Abraham lui-même est capable remettre Melchisedec dîme, c'est-à-dire c'est un monde qui était en pile importance. Et bien de même Jésus lisse roi nous et sacrificateur nous. Contrairement à Melchisedec, malgré toute importance que Melchisedec te gagne, nous et Jésus l'était sans péché. Parce que tout humain c'est pécheur. Melchisedec c'est vrai, lui c'était un roi, lui c'était un sacrificateur. Mais lui c'était un pécheur. Mais Jésus frères et sœurs, lui-même lui sans péché. Jésus n'est pas successeur Melchisedec. Il dit Jésus n'est pas venu après Melchisedec.
Jean que Hébreu explique là que nous capable comprendre que Jésus vini après Melchisédek. Non, mais travail Jésus avec travail Melchisédek, il y a une ressemblance et c'est pas pour sans raison Hébreu apôtre Paul dit que Melchisédek, lui c'était un monde qui était sans père, sans mère, sans naissance et ni un jour de fait. Ça veut dire que c'est pas parce que Melchisédek c'était un dieu. Ça veut dire même Jean Dieu nous pas connaît qui l'est fait, nous pas connaît qui est-ce qui maman, nous pas connaît qui est-ce qui papa. Non. Mais c'est parce que tout simplement Bible là, il pas révélé caractéristiques de citoyen ça. Donc c'est pour montrer nous que travail Melchisédek t'a fait ya, comment te ressembler avec travail Jésus lui-même, il vient faire pour nous. Hein. C'est ça que fait dit nous selon l'ordre de Melchisédek. Parce que Melchisédek t'a t'es doué que yon sacrificateur à perpétuité. Eh bien, vrai sacrificateur là qui vient pour te venir qui c'est Jésus, lui c'est un sacrificateur qui l'a pour le temps et pour l'éternité. Donc c'est ça que fait nous capable ouais, petite leçon hein, li dit selon l'ordre de Melchisédek. C'est pas parce que apôtre là veut dire que Melchisédek c'est un être céleste, mais c'est parce que tout simplement li voulait monter travail sacerdotal là, eh bien comment li semblait avec travail que Melchisédek li t'a faire. Donc Melchisédek li t'a annoncé ou du moins c'est t'a prédit la venue de Jésus. Hébreu li utilisé silence écriture là concernant de naissance ou du moins de la mort de la généalogie de Melchisédek, Jean que nous sommes dit parce que dans Hébreu 7 il dit que li sans mère, sans père et sans naissance, date de naissance, et ni en date de mort. Ça veut dire, on pas connaît qu'il est mouru. Mais ça que signifie que Jésus lui-même, l'éternel. En bref, frères et sœurs, Melchisédek, c'est roi, ou c'est un sacrificateur cananéen que le qui t'a servi, un antitype de Christ, qui t'a servi tant coup, qui t'a fait même travail que Jésus t'a droit pour le faire. Mais lui-même c'était un intermédiaire à travers nous-mêmes et Dieu. Mais cependant, il n'est pas capable, il n'est pas efficace parce que lui-même tout, il t'a adoré, offrir sacrifice pour péché lui. Mais selon l'ordre là, eh bien Jésus vini, il offrit propre corps, propre sang lui pour moi ensemble avec vous, pour nous capable joindre pardon, pour nous capable joindre justice et non seulement ça tout, pour nous capable joindre la paix. Donc nous avons raison pour nous croire dans le sacrifice de Jésus hein, et nous avons raison pour nous capable balle importance que lui mérite. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne journée. Leçon lundi qui est titrée selon l'ordre de Melchisédek. Sur nous.